Donc, vous venez de pénétrer à l'intérieur du vaisseau. Vous entrez donc dans ce vaisseau avec donc des couloirs. C'est tout de métal. Ça vous change beaucoup pour ceux qui vivent la plupart du temps à Game Tokyo ou Sugimoto qui vit dans l'ancien enfer. C'est un décor qui est très différent. Tout de métal. Et vous pouvez avancer. Vous voyez que au fond donc de ce couloir, il semble y avoir une grande salle centrale. D'accord. Bon, je d'entrée. Oui. Je veux dire vite fait. Bon, en consultant mes notes, j'ai vu que j'avais marqué que le pouvoir du Hategarasu était concentré sur l'œil sur la poitrine d'Utsuo. Donc éventuellement, si on a à la combattre, on pourra essayer de viser l'œil pour essayer de réduire l'influence du Hategarasu sur elle. Ça peut être une bonne. Alors moi, l'entrée du jeu fonctionne vraiment comme ça, mais bon. Moi, c'est ce que j'avais noté en tout cas. Putain. La musique elle boucle pas ou c'est moi là c'est... Non, c'est la musique elle ne boucle pas. D'accord. Vous avez problème Ah, c'est bon. Non, c'est moi le marche. Je vais quand même demander à mes alliés avant de. Ouais, vas-y. Donc, ce que je voulais faire, c'était d'entrée de jeu, utiliser ma compétence racine pour faire en sorte que mon fusil puisse être un petit peu réduit en taille pour que je puisse le manipuler beaucoup mieux dans les couloirs. D'accord. Donc, du coup, tu vas me faire. Tu veux me faire une amplitude à 10, ça va te coûter 1 PM. Non, tu sais quoi, ça te coûtera pas de PM. Ok. C'est juste un truc de base, donc ça coûte pas de PM. Mmh. Ok, donc tu fais ça, donc ton fusil sniper assez massif, tu réduis sa taille pour quelque chose de plus proche d'un petit fusil mitrailleur. Oui. Varushka, tu m'avais bien dit que tu avais le pouvoir de contrôler n'importe quelle arme à feu. Ça fait partie de mes capacités, oui. Je peux modifier n'importe quelle chose utilisant de la mécanique non magique de façon assez simple. Tu saurais par où on doit commencer pour explorer ce vaisseau ? J'en ai aucune idée, je ne connais pas les plans de ce vaisseau. Moi j'avais une question. Est-ce que on y va en infiltration ou en charge ? Selon toute vraisemblance, s'ils ont envoyé des troupes nous rencontrer en l'air, c'est qu'ils savent qu'on est ici. Ok. Doit nous attendre vraiment. Je vais quand même y aller. Alors, Sugimoto, tu vas t'arrêter. Vous allez tous vous arrêter avant d'entrer dans la salle. Il faut s'imaginer, comme dans le donjon de Nullbuck, quand celui tout devant il s'arrête, t'as tout le monde qui râle derrière. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? je vise, je regarde un petit peu. Vous voyez effectivement qu'il y a des gens dans la salle. Ils vous ont pas encore remarqué, qu'est-ce que vous faites ? De nous attendre. Chargez ! Putain, non ! Infiltre. Je suppose qu'ils doivent nous attendre, non ? Ils doivent garder l'entrée. Il regarde un peu partout, oui. Ouais, donc on ne pourra pas. Donc je charge. Mais de toute façon, maintenant, ils vont tous regarder dans votre direction, en fait. Attends, avant de charger, attends. Non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Là, tout le monde se retourne et voit Sugimoto charger. Vas-y, tu peux te faire ton attaque. C'est le classique. D'accord, tu fais donc ta... Oh, dégâts minimum. Ah, c'est ça, les dégâts minimum. J'ai 5 de def. Ok, donc tu prends... Donc, c'est ce qui... Varushka, Rin et Ringo, vous reconnaissez cet archétype de la secte, hein, c'est un moine combattant. De type Oni, mais qui se fait prendre, qui regardait dans l'autre direction et qui s'est fait complètement prendre par surprise par Sugimoto et qui se prend donc le coup de bouclier. Alors du coup, c'est tu l'enfonces, tu l'enfourches.
Ah bah c'est simple, tu vois un train. Voilà, c'est ce que je fais mais avec mon bouclier. Ok, donc du coup bah tu traces et c'est balancé sur le côté. Ah ça, ça me convient totalement. Et donc bah ah voilà, ça fait mal. Yes. Ah, tu l'as littéralement mis en position latérale de sécurité. J'imagine trop, tu sais, elle roule sur le sol, puis elle termine littéralement en position. Alors, du coup, attends. Alors après, je veux dire, c'est Anony, quoi. Quand tu, quand tu l'envoies sur le côté, tu sais, il roule un peu sur le sol et puis il se remet à genoux à la fin de sa roulade. Ouais, alors d'ailleurs, tu sens, parce que ton attaque fait mal, donc tu sens que tu lui as fait des dégâts, mais tu sens que c'est un Anony, donc il a quand même tanké une bonne partie. Hein. C'est sûr que c'est pas une fée. Ouais, c'était l'apéritif, ça. Et donc, vous engagez le combat. De toute façon, c'est un bonjour à la Oni, ça. Du coup, c'est au tour de... Du coup, c'est Rin qui commence. Ouais. Est-ce que je peux lancer une tornade dans cette direction-là, tu sais, pour les éparpiller et les... Comment ça s'appelle ? Et les... Disperser. Ouais, les... Non, les étourdir aussi. Voilà, donc les éparpiller, les étourdir. Mais ça se passe pas trop, s'il te plaît. C'est ah. Une... pas trop. Tu peux, mais pas trop. Laisse-en au moins deux à côté, quoi. Bah non, mais dans ce cas, toi, vas-y. Je le ferai après. Okay, de toute façon, vous agissez presque en même temps. Enfin, en tout cas, tu agis juste après Rin, donc si tu veux, tu peux agir tout de suite après. Bah, c'est quoi, je commence à faire mon incantation de tornade pendant que toi, t'agis. Je vais créer un signe de précision baline offensive... C'est la tireuse qui est pas sûre. Hein. Ok, donc j'en tire 3. Je les tire à côté de. Je les tire environ dans cette zone là. Ok. Là. À côté, à peu près. Je me retire 3 du coup. Tu peux mettre une petite croix. Ouais, je vais faire ça. Rin, fais. Fais-moi ton alors oui, du coup, ton jet de compétences maître. Donc du coup, vu que bon, là, là c'est une grande salle quand même, donc tu vas pas avoir trop de malus pour faire ta magie de vent. Donc je vais te demander un jet d'ampleur à classique à 20 pour 2 PM. Ok, alors en vrai du coup, vu que... vu qu'a priori c'est des balles à retardement, c'est ça ? Enfin, c'est des mines. Hein. Là, je vais devoir refaire une macro pour, enfin, devoir refaire une action pour les faire exploser. Ouais, ça. Donc, si je les disperse maintenant, en fait, je. Ouais, ça va faire un petit peu n'importe quoi. Ouais. Quoique, je me demande si les balles peuvent être dispersées aussi. Ah bah techniquement, c'est une tornade. Hein, donc bon, à moins que ce soit planté fermement dans le sol. Non, pas tant que ça. En fait, c'est plutôt des grenades qu'on. Je vais balancer des mines explosives aux quatre coins de la pièce. Allez. Tiens, elles peuvent être dispersées ou pas ? Ah bah c'est des balles, tu l'as dit toi-même, c'est pas... je veux dire, s'il y a une tornade, elles vont être dispersées, hein. Bah en même temps, on a pas eu le temps de parler de ça. Bon bah de toute façon, ça passe pas. Ouais. Effectivement, ça passe pas, t'avais commencé à incanter, mais... Tu sais, au moment où tu... pendant ton incantation, tu te dis, attends, mais... elle a juste tiré des balles, là, donc si je balance le sort de tornade, ça les éparpille partout. C'est que j'avais commencé à incanter mon sort, et puis quand j'ai compris que le truc de Varushka, je l'ai interrompu au milieu, quoi. C'est ça. Gimoto, bah... J'ai déjà agi. Ouais, t'as déjà agi, donc c'est tout tour de... Alors attends, j'ai agi. On peut s'avancer à peu près de combien, avant de lancer une action ? Je sais pas. Tu peux t'avancer, on va dire, là, de... Bah, tiens, c'est un peu des cases, ça, donc tu peux t'avancer de 3 cases, on va dire. Oui, d'ailleurs, à la fin de mon tour, je me mets juste là. Hein. Du coup, j'aimerais bien m'avancer vers là, enfin, j'aimerais bien m'avancer vers le groupe d'ennemis qui est là-bas, et... Je suis pas trop près, hein. Non, pas trop près, je suis encore loin, alors ça va. Du coup, je vais me mettre ici. Et lancer une attaque magique sur celle-ci. Sur ? Celle du milieu, ça va être le cheveu sorcier. C'est ok.
Distance 4. C'est-à-dire que c'est presque comme si elle était à l'autre bout de la salle. Quoi. Ah bah non. Oups. Putain non, pas mes balles. Non mais attends, il y a tes balles, mais il y a moi aussi, éventuellement. Oh merde non. Ah bah clairement, tu fais bien de soulever ça. C'est pas moi qui ai fait l'échec critique. Ma compétence maître n'entre pas en compte, ok. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme tout ça, ça se passe à peu près en même temps. Quand Ringo s'avance, c'est-à-dire que Rin avait commencé à faire son incantation, Varushka a tiré en l'air pour disperser ses balles, et Ringo s'est avancé en avant pour lancer son attaque magique, mais elle l'a fait un peu dans la précipitation, et donc en fait, son attaque magique en fait intercepte une balle de Varushka. Et t'es en train de retomber, et bah qui du coup bah ça l'a fait exploser, ouais. Bon bah ça fera un dégât au moins, c'est pas grave. Genre je fais pas de dégâts. Que Loni se relève. Se retourne vers toi avec un regard en mode je reconnais bien là la force d'un Oni, et donc en fait son affaire de t'affronter. S'il fait un succès critique, il va aussi il va être propulsé sur ses deux camarades, hein. Et sur les balles. Je vais passer entre les deux et je vais atterrir tout poil sur la balle derrière. Non mais vas-y, duel, je suis d'accord. Ok, donc vas-y, fais ton esquive. Elle s'est ratée. Ça fait combien de dégâts ? Eh bah tu vas voir. Mon tambour. 7. 7, ok, j'encaisse. Enfin, j'encaisse, je prends des dégâts, mais je... ça fait 2 dégâts. T'as pas 7 de def, hein. J'ai 5 de def. Ça te fait, enfin, tu bouges pas, mais en fait, sur la force du coup, tu recules en glissant sur le sol, quoi. C'est ça, ouais. Ça, j'ai mon pied arrière qui glisse un peu. C'est ensuite au tour du milicien. Alors lui, il est un peu loin et il fait que des attaques, physiques. Du coup, il va courir vers Sugimoto. Et profiter donc de la portée de sa lance pour t'attaquer plus loin qu'il ne le devrait. Ok. Dans le dos. Le problème, c'est que dans sa précipitation, en fait, il fait son coup de lance à côté. En fait, il se coordonne mal avec sa camarade Oni. Et du coup, il rate son attaque. Ça, j'ai la lance qui passe sous les selles. T'en es où, Sugimoto, au niveau état ? Moi, je suis encore en forme, hein, t'en fais pas. J'ai perdu que 4 points de vie depuis le début du scénar. Si tu veux, je peux te soigner. C'est au tour de la pyromancienne. Qui du coup va se décaler un peu. Ah putain! Bon, ça va, elle est juste à côté de ma balle, donc c'est pas un problème. Alors, effectivement, Varushka, tu vois qu'elle est à côté. Elle l'a remarqué au moins ou... Ah, elle devrait peut-être faire un jet de mental. Bah, on va voir, je vais voir si elle le remarque. Ou mental sur deux, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est discret. C'est pas forcément que c'est discret, mais c'est que ça ressemble aussi à une attaque ratée, quoi, la façon dont Varushka le fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Le truc. Genre, est-ce que ça paraît trop raté ? La question, c'est... Ouais. Est-ce qu'ils vont se douter qu'il y a quelque chose ? Tu sais pas, Varushka, mais en tout cas, elle se met à côté sans sembler l'avoir remarqué. Ouais, donc... Et du coup, elle va lancer un sort de flamme sur... Ringo. Si elle fait un échec critique, elle allume la balle. Ça ne passe pas. Ah bah, elle est loin. Hein. Essayez de tirer de loin. Ça sert à rester sur un bateau, sur un vaisseau nucléaire. C'est des radiations
Ça doit pas faire du bien, Mimi. Et donc la prêtresse, elle recule. Ah putain. Elle passe son temps elle passe son tour à reculer. Satori, tu peux agir. Je n'ai plus encore accord des prêtresses maintenant, c'est fini. Hein. je vais avancer et je vais lancer une attaque magique sur le lancier. Ok. Oh, joli. Très joli jet. Tu tires pour le lancier du coup. Esquive. Il n'esquive pas. Ok. Oh. Mega Max, c'est très joli. Du coup, il prend les dégâts. Tu sens que tu lui fais très mal. Hein. Il n'est pas vraiment. Il n'est pas vraiment. Il s'attendait pas vraiment à ça. Fin du tour, nouveau tour, c'est donc à Rin Satsuki. Je vais lancer signe de chance, aura de bon augure sur Sugimoto. Ok, Sugimoto, tu peux esquiver. c'est moi qui l'a fait cette blague normalement. On a tous le droit de la faire. Et je vais, je pense, foncer. T'as dit qu'on pouvait, on pouvait se déplacer de 3 cases. Ouais, à peu près. Ouais. Bon bah. Je vais foncer vers les ennemis. Ok, donc tu fonces ici, d'accord, pas de problème. Sugimoto. Ouais. C'est marqué ou pas? Non, c'est pas marqué. La pierre aveuglante, elle a quel rayon d'efficacité? Alors, la pierre aveuglante. Donate flash, hein, littéralement. Sugimoto, attaque flash! Vu que c'est un flash, j'ai quand même envie de dire que ça a porté de toute une salle. Alors, cette salle est quand même plus grande, donc c'est plus que la moitié, à peu près la moitié de la salle. Ouais, et là il se regarde, ouais non, ça va pas le faire. Je peux pas le faire. À la limite, je peux le faire sur l'Oni, mais bon. Bah, y'a que l'Oni et le lancier qui te regardent. Ah oui, non, il me regarde, oui, c'est vrai qu'avec sa position, j'ai cru sur le coq. Ouais, mais enfin, si je le fais de ce côté-là, mes alliés aussi vont se le prendre, donc c'est pas une bonne idée, je pense. Possible, oui. Non, ouais. Enfin, je vais essayer de m'occuper de l'Oni. Pendant que les autres ils s'occupent du reste. Hein, okay. Quoi, le lancier? Je connais pas le lancier. Ah, le lancier, tu l'as pas remarqué. Hein. Pour l'instant, je vais faire une attaque physique, du coup. Oh, oh non. Mais oui, je préfère un effet critique, moi, c'est le truc. D'accord, très bien. C'est toujours genre dans l'ordre, hein. C'est toujours attaque normale ou je fais succès. C'est un nouveau combo. c'est un nouveau combo. Attends, est-ce que je peux pas faire un petit truc? Ouais, genre est-ce que là pour le succès critique, je peux faire exploser ma charge explosive sur mon bouclier histoire de le mettre out pendant un petit tour. Non mais c'est pas... c'est pas son bouclier qui explose. c'est une très bonne idée, effectivement. Tu peux faire ça. Sachant que ça me coûtera toujours du mana pour remettre la charge, tout ça, enfin voilà. Oui, faudra la remettre, mais tu peux faire sauter la charge en même temps. Voilà, donc du coup, coup de bouclier un peu plus explosif que d'habitude. Ah, c'est-à-dire que effectivement, tu donnes un coup de bouclier, mais en fait, il est trop bien placé, c'est-à-dire que tu fais fracasser la tête de l'Oni sur la charge explosive, en fait. Donc, bon, alors, le premier effet qui découle, du coup, c'est qu'il y a une explosion, et le deuxième effet, c'est que tu retrouves l'Oni là-bas. Et du coup, tu le retrouves, quoi.
Et du coup, on a vu que tes dégâts max, c'était... Attends, je vais le lancer. Attends, oui, j'ai pas sélectionné. C'était... Ah bah voilà. Et bah voilà. Ce sont les dégâts max. Ça fait mal. Est-ce que j'ai gagné le duel, du coup, quand t'as gagné? Alors tu vois qu'il est étourdi, mais il bouge encore. Alors chez les Oni, on n'a jamais gagné un duel avant que l'autre soit KO. Du coup, c'est au tour de Varuska. Pourquoi Satori a 7 d'initiative maintenant? Ah, ça a encore bugué. Écoute, il y a voilà. On sait qu'elle a 4, voilà. J'ai plus l'habitude des duels, j'ai plus l'habitude des tous contre. C'est à toi, Varuska. T'as modifié manuellement? Là, j'ai modifié manuellement. Je vais faire exploser mes grenades, du coup. Je vais crier dans la salle « Pobé la lâche !» Donc ça fait 2 dégâts, donc ça fait 8 dégâts. Vu que c'est 2 grenades. Ça fait 8 dégâts, oui, enfin ça fait 4 sur chaque, du coup. Ouais. Oui, voilà. Donc du coup ça me coûte 5. Ah, ça coûte cher quand même. Bon, c'est bon, on a 41 de réservelier. Ça coûte très très cher. Alors du coup, effectivement, celle-là explose sans que la pyromancienne s'en aperçoive. Elle se prend donc les dégâts. Celle-là explose proche du munitien qui va donc se prendre aussi des dégâts. Ok, c'est donc... Ok, non. donc c'est donc à Loni qui vient de se faire projeter, bah, qui du coup passe son tour à se relever des débris, un peu secoué, qui du coup essaye de revenir à la charge sur Sugimoto avec un peu de mal. Oui, c'est Ringo. C'est au tour de Ringo. Moi, j'avance vers là-bas et je vais recommencer une attaque magique sur la même personne en espérant que ça passe cette fois-ci. Et là, tu touches Rin. distance combien là? Alors là, tu t'es beaucoup plus rapproché, donc là, c'est distance 3. Ok. 3, 2, 1. Je vais lui faire faire une esprit, même si pas vraiment sa spécialité. On va croire que celle-là, si. Attends, non. Elle a. Et si ça passe à un près. Vous avez lancé les dés ? Oui, je cache pas mal de dés. Hein. Donc tu lances une attaque physique, effectivement, et en fait, la pierre ancienne, elle voit ton attaque, hein. De toute façon, c'était entre vous deux, finalement, qu'il y avait le duel de magicienne, et donc, en voyant son attaque, elle parvient à l'esquiver de justesse en se tordant sur le côté, ça la frôle, ça fait un peu soulever le voile qu'il y a sur elle, sur ses yeux, mais elle esquive l'attaque. Le lancier, il a eu mal. Il regarde autour de lui. Il va s'éloigner de Sugimoto et il va foncer sur Rin. Est-ce que je peux faire une attaque un truc en réaction? Non, ok. Bah, si t'as une spell card qui est marquée comme réactionnelle, oui, normalement. Je sais pas vraiment si c'est une réactionnelle parce que ça fait un bouclier, ça dépend un bouclier sur l'allié. Non mais si on n'a pas dit que c'était du, si on a dit que c'est pas du réactionnel. Ok. Sinon c'est une action normale et là dans ce cas je peux pas t'autoriser hein. Ok.
Ok, donc Rin, tu peux tenter une esquive. Mm-hmm. Non. Ok, et donc il fait... Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête d'aller dans la barre de macro ? Je les ai en bas, putain. Il fait dégâts minimum, il fait 4. Ah bah, je bloque. Alors, 4 de mer. Ouais, grâce au bouclier que j'ai acheté. Alors effectivement, grâce au bouclier que tu as pris, tu bloques effectivement l'attaque. Je dévie la lance sur le côté. C'est ça, tu n'arrives pas à esquiver le tout coup, mais tu t'étais mis en position pour parer quand même un minimum l'attaque, et donc la lance glisse sur le bouclier. Donc Ringo, Munitien, et c'est au tour de la pyrne ancienne qui va encore un peu se décaler en se rapprochant de toi quand même, Ringo, pour être le plus proche possible pour réussir son attaque, ce qui réussit donc. Voilà, et donc tu parviens à esquiver, mais ce duel de magicien qui ne se touche pas. Et donc tu parviens à esquiver l'attaque, alors avec beaucoup plus d'assurance que la pyrome ancienne qui avait esquivé vraiment de justesse. Toi, c'est vraiment, tu te baisses, et donc tu esquives parfaitement bien l'attaque. C'est comme Tsunahime avec les esprits d'eau de la dernière fois, c'est la même chose. Il tape, mais il se tape pas en fait. Il se tape, mais il s'ouvre en deux. Oui. Il s'ouvre pas en deux, mais... La prêtresse va reculer, et elle va faire une incantation. Donc elle fait une incantation et il ne se passe absolument rien. Satori. Je sais plus ce qu'elles font, les prêtresses. Alors, c'est bien la spawn. Donc... Fond de la merde. Je vais continuer de lancer des attaques magiques sur le lancier. Bon, ça fait un petit peu. Ça passe. Ok, oui, ça passe effectivement. Quant à son esquive, elle ne passe pas du tout, et donc il se prend l'attaque physique en pleine figure. Magique. L'attaque magique en pleine figure, ce qui fait mal. Ça le fait reculer et ça lui fait mettre un genou à terre. Donc il a du mal. Il a du mal. Rin, qu'est-ce que tu fais en voyant ça? Alors du coup j'hésite. Est-ce que je joue la... Et j'ai envie de faire le truc fun, c'est de vu que là on a le duel de magicienne, on a le duel d'Oni. Moi je voulais faire le duel de soigneur. Non, mais alors si tu me laisses contre le lancier, je sens que ça va mal se terminer. Oui, non mais... Quelle de soigneuse. Mais il y a Varushka, ça va. Non, donc du coup je vais passer sur le côté et je vais lancer signe divin du feu purificateur, aperçu du purgatoire. Joli. Parfait, donc tu fais ça sur... Ah bah c'est un cône, donc je vais le faire sur le lancier et la pyromancienne si elle est assez proche. Oui, alors étant donné que le lancier a dû reculer à cause de l'attaque de Satori, effectivement, il est assez proche. Je vais faire quand même des esquives. Alors, la reste des ennemis maléfiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont maléfiques? A priori, pas trop là. Mais ouais. Ok. Oh. Ok, alors du coup, le lancier semble avoir il avait l'air très mal en point, mais finalement, sa détermination ne le quitte pas. Et. Presque magiquement, il arrive à bondir en avant et à s'extirper du cône avant de se prendre quoi que ce soit.
La pyromancienne, elle, elle t'a pas vu venir, elle était en train de regarder Ringo, et d'un seul coup, elle se prend... elle se prend toute en pleine face, elle en fait tomber son bâton, tiens. C'est une pyromancienne, elle doit avoir une bonne reste, quand même. Alors oui, mais à mon avis, c'était un échec critique, là, d'après la... Alors oui, elle a une bonne raide, effectivement, mais elle n'a pas beaucoup de chance. Du coup, elle aussi met un genou à terre. Mais ce lancier, c'est un roulade. C'est ça, il a fait une roulade. Vamuska. C'est un professeur, oui. Sugimoto. Ouais, c'est quand même moi. Et bon, j'ai envie. Désolé, c'est... Alors, il fait n'importe quoi, le turn order. Hein, je vois ça, ouais. Remets dans l'ordre. Voilà, bon. J'ai un ennemi à distance qui me fonce dessus. Je vais lui renvoyer la politesse. Ça va tellement mal finir, cette histoire. Je sais que ça va finir en échec critique. Les deux, ils sont en train de se foncer dessus en mode « Wouah !» Il y a le duel de mage et il y a le duel de charge. Warlord pour l'Empire. Et après, il y a moi. Sauf que cette fois-ci, l'Oni a vu ton coup venir et donc a changé sa direction de course et pour que tu passes à côté. Je lâche. C'est pas la fois de dire ça. Là, c'est au tour de Varushka. Ouais. Alors, je vais vu que Rin est au contact des ennemis, je vais lancer mon bouclier déployant sur elle. Ok. Bah, tu veux pas achever le lancier, hein. Je peux faire ça aussi. Rin, tu préfères que je te protège ou que je l'achève? Dans ton propre intérêt, là je pense que. Ah, surtout du mien en fait. Parce que là il n'y a plus personne entre lui et moi. C'est ça. Je vais aller. Et moi je vais pas l'attaquer donc. Est-ce que je peux me payer le luxe de faire un précision absolu? Alors. Carrément de manœuvre? Ouais. Ouais, je vais me faire ça. Je vais faire une précision absolu. Autant assurer le coup. Précision absolue pour abattre un lièvre à terre. Le lièvre il a quand même bondi pour esquiver. Le lièvre il a fait une esquive à la Dark Souls là. Je fais pas confiance à Orani. Ouais, non mais t'aurais pu lui faire confiance, hein. ça passe quand même. Donc voilà, comme je disais, la précision absolue qui ne manque pas sa cible, sert son intérêt de cible et donc se prend la balle et met le deuxième genou à terre et tout le corps. Et je vais me mettre entre Satori et du coup, au cas où. Non mais Loni, il est face à moi, enfin t'en fais pas. Ouais, mais on sait jamais. Alors Loni est là. Ils sont tous honnêtes. Oui, l'Oni a l'air quand même très déterminé à... Enfin, l'Oni ne regarde que juste Sugimoto, en fait. C'est un Oni, je veux dire. Il attaque la cible la plus forte. Alors, par esprit de protection, cible. Par esprit de protection, Varushka, elle va se mettre devant Satori, quand même. Non, et puis, en plus, tu connais pas forcément beaucoup d'Oni, toi. Oui. En plus. C'est au tour. Bah justement, bah, tiens, l'Oni, qui du coup va essayer Vas-y, fais-le. Do it. Il me semble que tu es encore sous l'effet de du signe de chance, hein, d'ailleurs. Alors effectivement, il do it. Ça dure combien de temps le signe de chance? Je crois que ça dure 2 tours. Donc ouais. Tu l'as encore. Il n'y a même pas besoin. J'en avais pas besoin. Ah, c'est simple. C'est quoi, c'est... Tu lui avais foncé dessus. Il avait dévié sa trajectoire pour t'esquiver, que tu passes à côté. Immédiatement, donc, tu t'es arrêté voyant qu'il avait esquivé ton attaque. Et tu t'étais retourné et ça tombait bien parce que il était justement en train de t'envoyer un coup de poing que du coup tu pars avec ton bouclier en te retournant.
Ringo. J'en ai marre de pas la toucher. Du coup, je m'approche et j'utilise la lance fraîchement obtenue pour la louper, si je peux. Tu peux, tout à fait. Donc tu fais une attaque physique. Alors dans ce cas, tu peux dire que c'est pas que c'est tu peux laisser que c'est au corps à corps. Hein, tu peux tout laisser de base. Ah voilà, là ça marche. Voilà, là tu voulais tout toucher. Donc effectivement, tu donnes un superbe coup de lance, mais la pyromancienne n'est pas en manque. Et elle a de la dernière fois. Non. Et elle a vu dans ton jeu, elle t'a vu approcher avec avec la lance parce que t'as quand même dû la sortir. Alors elle abandonne l'idée de récupérer son bâton et va plutôt esquiver ton attaque en se reculant et donc esquivant ton magnifique coup de lance, mais passe malheureusement elle esquive. Je vais l'appeler Christine, cette mage. Le milicien ne joue plus. Donc c'est au tour de la pire ancienne. Elle va pouvoir rétorquer. Donc elle va ramasser son bâton et alors est-ce qu'on peut pas non plus faire une petite attaque? Elle fait un trait de feu et donc elle trace avec son bâton une ligne de feu qui te traverse. Donc tu peux esquiver. Oh, ce duel que vous faites, c'est absolument génial. Un duel de Stormtroopers à ce niveau-là. Non, les Stormtroopers, c'est qu'ils se touchent pas. Là, ils se touchent, mais ils esquivent. Donc, de Pierre, Patrick, Ciseaux. Tu peux te décaler là, de ce côté ou de ce côté-là. Ok, donc tu te décales, tu esquives le trait de flamme qu'elle a lancé, mais le trait il reste là. Mais, J'imagine même pas la prêtresse derrière qui regarde notre combat. c'est un combat. La prêtresse est à son tour effectivement, donc elle va retenter une incantation. Cette fois-ci, ça marche et une sorte d'aura revigorifiante entoure la pyromancienne qui semble regagner des forces. Non mais déjà quand je touche pas, si en plus elle soigne, ça va pas aller. Hein. Satori. Bon, je préviens Varushka, n'interviens pas dans un combat d'Oni, ça pourrait mal se terminer pour toi. Je ne comptais pas intervenir, seulement te protéger. Et moi, je comptais te demander de ne pas intervenir de toute manière. Donc... alors après, Varushka, tu ne connais pas bien les Oni, mais tu as déjà eu l'occasion de voir des Oni en action. Oui. Oui, et puis là, bon, t'as vu un Oni traverser la salle, bon... Oui, de toute façon, je comptais pas intervenir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer... Est-ce que je vais attaquer ou je vais essayer de paralyser la prêtresse derrière? Ouais, paralyser en vrai. Ouais, je vais faire ça. Paralyser tout le monde. Voilà. Putain. Ah, mais pourquoi les paralysies c'est autant prompt à avoir des succès? Ah bah c'est bon, un ennemi en moins. Donc, Satori va s'appeler le marchand de sable maintenant. Nouveau titre. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, tu pénètres dans l'esprit de la prêtresse, paralysant complètement ses connexions neuronales, et elle se prend violemment la tête, semble crier, se met à genoux, elle fait tomber son bâton, et
Ouais, elle va rester comme ça pendant quelques tours. Donc là, elle va rester en boue pendant un moment. Voilà, là, elle est... Parfait. Farpay, oui, exactement. Donc, Rin, qu'est-ce que tu fais ? Bah non, et mon duel de soigneur, alors. Elle est toujours en combat. Hein. Non, mais déjà que le combat, je suis pas pour, alors en plus, combattre quelqu'un qui est paralysé... j'ai pas beaucoup de points avec les Oni, mais bon, s'il y en a un, c'est bien celui-là. Non, bah du coup, je vais foncer sur la pyromancienne et tenter de l'attaquer au corps à corps. Ah oui. Si elle la touche, j'en ai marre, vraiment. Donc, portée 1, cible 1. Oui. Ok. Et ça passe, donc tu parles. C'est une blague. Rin touche au moins. Dessus sans te taper dessus, elle arrive et elle la touche. J'ai pu la toucher uniquement parce que tu la distrayais, hein, c'est pour ça. C'est vrai. Tu peux faire tes jets de dégâts. Oui. Dégâts physiques. C'est pas la dégâts. Dégâts max. Dégâts max. C'est 5 tes dégâts max. Oui. Ah, je suis pas taillé pour le combat. Hein. Ouais, je vois ça. Mais attends. Du coup, Sugimoto, c'est à ton tour. Ah bah oui, oui, j'ai trois en force, oui. Puis bon, on va lui faire une accolade amicale. Ah, une accolade bonnie. Oui, amicale. Oui, non mais c'est comme les patates amicales. C'est pas normal, je réussis trop de jet, ça me fait peur. Surtout pour Sugimoto. Oui, et d'ailleurs, là, tu arrives vraiment donc à lui rétorquer. Du coup, tu fais quoi ? Tu lui donnes un coup de poing, un coup de bouclier Là, il venait me donner un coup de poing sur mon bouclier. Tu sais, je retire le bouclier et je lui fais un lariat. Et t'as mal, donc effectivement tu fauches l'Oni, donc t'es pas autant balancé. Ah oui, tu sais, je lui fais un aria vers le sol, tu sais, je l'envoie sur le sol. Ah oui, d'accord, donc c'est juste, ouais, il reste sur place. Je la chope par le cou avec mon bras et vlance, enfin je le chope par le cou avec mon bras et vlance sur le sol. Sans pour autant que moi j'aille sur le sol, hein, je reste debout, mais c'est juste que voilà, je projette quoi, sur le sol. Ok, donc tu fais ça. Bon après, c'est quand même un Oni, donc il tanque bien tes attaques. Hein. Ouais, non, mais je sais. Varushka, qu'est-ce que tu fais ? Étant donné que j'ai pas vraiment d'options très variées là pour le moment sur le contexte actuel, je vais juste tirer une balle normale sur la magicienne avec une attaque physique. D'accord, corps non. Portée 1, cible 1. Passe. Ok, elle va esquiver. Enfin, tenter. Ok, donc elle n'esquive pas ton attaque. Je vais faire les dégâts du coup. Hop, les dégâts. Ah oui, non, faut que je sélectionne le Pokémon. 6. 6, et donc tu la mets KO. Ok. Désolé Ringo. le trait de feu disparaît. Je suis très triste actuellement. Bah après toi t'as encore tous tes PM quoi, t'as pas montré ce que t'avais dans le ventre. Non mais c'est ma seule spell qui prend des PM, j'ai besoin de bouffer des langoustes pour utiliser. Non mais j'ai pas mangé. C'est du teamwork,
Attends, sois déjà contente que tu ne sois pas pris de dégâts. Moi, je me suis niqué le dégât. En fait, j'ai 17, tu vois, j'ai distrait tout le monde. C'est ça. C'est ça. Donc, le moine combattant Odin va tenter de rétorquer à ton attaque, Sugimoto, dans ce duel épique. Prendra un qu'on terminerait de lancer la macro. Voilà. J'imagine trop de jolie réussite. J'imagine trop de celle en mode elle est tombée par terre et du coup, elle donne des coups de jambes, des coups de pied. En tournant sur elle-même, sur lui-même, putain, je peux y arriver. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Tu l'avais enfoncé dans le sol, mais il parvient à utiliser cette position avantageuse pour te faucher avec un coup de pied. C'est à mon tour de poser le genou à terre. C'est en un bouclier dans le bras et le genou à terre, l'autre genou à terre. Ringo! Je m'approche de là où la pyromane s'est écroulée et je la remercie pour ce combat qui n'a servi à rien, mais c'est pas grave. Même si elle est KO, c'est pas grave. Et je lance une attaque magique sur la prêtresse. Il y en a qui n'ont pas d'état d'âme. Hein. Non, alors, est-ce que je peux arrêter le bras de Ringo et puis... Ouais, c'est... J'ai pas vu qu'elle était paralysée, j'étais trop... Alors, si, tu vois quand même qu'elle est en train de crier à la mort et en se tenant la tête... Ok, je la tape pas. Elle est complètement tétanisée par terre, donc bon... je la tape pas, je regarde Rin. Non, mais sinon, je vais te dire de la capturer, hein, tout simplement. Capturez-la. Coupez-lui là oui, il faut la capturer. Ok, bah du coup, Satori, c'est à ton tour. Bon, les Onis, bon, on va les laisser tranquilles, hein, on va laisser se s'entretuer. Laisse-le tranquille. Bah, je vais m'approcher un peu plus vers la prêtresse, hein. Bon, je vais pas attendre ce tour-ci, hein. Mm-hmm. Ah, de toute façon, vous sortez plus ou moins du combat là, donc ouais. On va passer sur le duel entre Sugimoto et Eloni, donc vas-y Sugimoto. C'est bon, je voyais pas. Je sais pas si je continue avec les attaques physiques classiques jusqu'à ce qu'il y en a un. Oh si, allez quand même. Je veux dire, c'est mon premier duel depuis des années, enfin, duel honnête. Que sans quelqu'un d'enragé à cause de mon pouvoir, donc ça fait plaisir. Chance, ça passe. Et oui, ça passe. Tu parviens à lancer ton attaque, mais l'Oni esquive. Ouais, c'était, j'étais à genoux, du coup, mon coup de bouclier a été un peu plus long. C'est ça, et donc l'Oni a l'opportunité donc de se relever pour essayer de t'asséner un nouveau coup de poing. Parviens à lancer en ta direction, vas-y. Et tu esquives. Vous échangez les coups en réussissant parfaitement à vous esquiver l'un comme l'autre. Donc vas-y, quelle est ta réponse? Là, du coup, on est retourné en grosso modo en statu quo, en mode on regarde, c'est ça, vous regardez, tu le regardes, il te regarde, tu le regardes, il te regarde. Est-ce que je demande à arrêter quand même le combat, car on est un peu pressé quand même. Ah, tu fais ce que tu veux, non. Bon, allez, encore un petit tour. Donc tu sais comment on arrête les combats chez les Oni. Non. Avec du saké. C'est ça, c'est chiant. Non, en plus, ce bouton ne boit pas d'alcool. Pas les sauves. Je vais lui dire genre que effectivement, ça fait plaisir de faire un combat à la loyale pour une fois. Puis je vais redonner un coup de poing.
Bon bah. T'aurais dû dire, ça fait plaisir d'avoir un combat à la loyale pour une fois. Mais maintenant, tu finis de rigoler. Putain, mais troisième coup critique. Tu attaques toujours avec ton bouclier. Non, tu attaques avec un coup de poing cette fois-ci. Tu décides donc de rétorquer à l'ONI avec finalement les armes primitives, avec les poings, et tu lui assènes un énorme coup de poing dans la gueule qui l'a fait valdinguer à travers la pièce, et elle finit par glisser au pied de Satori, KO. Parfait. On va essayer de... Vous voyez pourquoi il faut jamais intervenir comme dans un combat d'ONI. Ok, c'est probablement la fois où Sugimoto brillera le plus. Essayez d'en profiter, car je sais que ça va pas durer. Non mais ça, c'est que je veux dire, face au fait, je veux dire, un ONI, il se bat mal parce qu'il est pas motivé à se battre, quoi. Alors que face à un ONI, là, il donne tout ce qu'il a. Donc, vous vous êtes débarrassé des soldats de la secte qui étaient présents dans la salle, enfin, sauf de la prêtresse qui est toujours là, on commence à se calmer un peu, et quand elle revient, elle voit vous trois, vous quatre l'encercler, donc elle est un petit peu intimidée. Je prends son bâton et puis je lui dis « Ne t'inquiète pas, on te fera pas de mal ». Alors, elle voit l'ONI à moitié défiguré derrière toi, et elle exprime un visage de doute. Elle voit l'ONI défiguré. Plus loin, elle voit moi, assise, en train de la regarder directement. Sur une manette beatbox, elle appuie sur X. Elle recule un peu. Bon, on a besoin de savoir quelques informations. Je suppose que tu vas nous aider quand même. Je pointe. Non mais moi je suis juste. Je suis juste une prêtresse, hein. Moi je sais rien. Ah, tu dois quand même connaître un peu ce vaisseau quand même. Je connais le vaisseau, mais c'est tout, elle lève les mains. Vous connaissez la carte, vous connaissez les endroits clés du vaisseau. Je connais le plan du vaisseau, oui. Vous pouvez nous le donner, s'il vous plaît, si vous l'avez. Fais-moi un jet de charisme. Très bien. J'ai combien de charisme déjà? Mais je croyais que tu buvais pas. Non. Oh, tout de suite. Alors, ça passe sous 50. Ça passe sous 50. Et ça passe pas. Donc c'est-à-dire que si je la pointe, est-ce que j'ai pas un bonus de... c'est pas que t'es pas convaincante, c'est que tu lui fais un peu peur en fait. Bon, si je la pointe pas, est-ce que j'ai un bonus? Alors je te demanderais bien un bonus de 10, mais ça passe quand même pas. Écoutez, je vois que vous n'avez pas l'air décidé à nous donner ce plan. Comment on va faire du coup? J'adresse un coup d'œil rassurant à Varushka et puis je lui dis ne t'inquiète pas, on aura toutes les infos qu'on veut. J'ajoute pour la prêtresse, sans vous faire de mal, hein, je précise, parce que je sais que ça peut être pris à double sens. Elle vous regarde d'un air un peu apeuré. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose avec son esprit pour qu'elle se calme, qu'elle nous donne un peu toutes les informations qu'on veut? Tu veux pas juste lire les infos dans sa tête? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, je peux essayer, oui. C'est trop facile. Après, je sais pas, le problème c'est que si elle a peur, elle est apeurée. Ah bah si c'est pour la rassurer, ça tu me le laisses, hein. Ah, au pire, attends, je peux lire dans son esprit sans... Tu penses que vu qu'elle a dit qu'elle connaissait le plan du vaisseau, tu penses que tu devrais pouvoir l'extraire si tu lis dans ses pensées?
Ok, bah je vais faire ça. Alors... Je vais te demander un jet de compétences maître à 20, mais ça te coûtera pas de mana. Ok. Ça passe. Ok, donc ce que tu peux lire donc dans la tête de la prêtresse, tu peux un peu lire dans sa tête la représentation qu'elle s'est faite elle-même donc du vaisseau. Donc ce que tu peux déduire, c'est que il faut que je dézoome. C'est que en fait donc vers le haut là, vers le nord, au-dessus de vous. Ça vous pouviez le voir à la morphologie du vaisseau, c'est la direction vers le canon. Et ça semble être la seule chose qu'il y a là-bas, mais personne n'y va. Il y a apparemment personne et la porte est verrouillée. Et verrouillée, ne met jamais de temps avec un onni. Et vers le sud, ouais, verrouillé en scénarium. vers le sud, donc il y a un long couloir avec sur les côtés, à chaque fois à droite et à gauche sur les côtés, il y a des salles. Ça c'est ça quatre fois. Il y a à chaque fois des salles. Et au milieu, enfin vers la fin du couloir, il y a un ascenseur qui permet de monter à la salle. Enfin. À la salle que vous avez vue de l'extérieur du vaisseau qui surplombe le reste du vaisseau, qui est sans aucun doute la salle de contrôle. Et donc, en continuant plus loin vers le sud, vous pouvez atteindre les trois réacteurs. Ok. Bah, on va... Bon, j'ai obtenu les informations que je voulais, on peut la laisser partir. Très bien, place. Okay, non, reste calme. Alors, elle comprend pas trop, mais si il dit vous allez vous me laisser ? Oui, absolument. Oui, oui, tu peux partir maintenant. Ok, elle va bien entendu, essaye pas d'essayer de nous arrêter. Ok, bah du coup, elle s'en va dans cette direction. Genre, elle passe réellement à côté de moi. en courant. En courant et en très peur. Non mais pas dans cette direction, parce que là elle va appeler le monde. Non, je dis quand on dit que tu peux y aller, c'est soit tu restes ici et tu prends soin de tes amis pour qu'ils aient pas trop mal, soit tu sors du vaisseau si t'as trop peur. Ok, vous pouvez me rendre mon bâton alors. Alors justement, à propos du bâton à Oz, il a quoi comme bonus ? Enfin, il fait quoi ? Alors le bâton en lui-même, c'est juste un bâton de prêtresse. C'est pas lui qui permet d'utiliser le sort de soin. Ça, elle sait le faire d'elle-même. Donc le bâton, ça donne pas de bonus spécial. Ah d'accord. Bon, du coup je lui rends hein, s'il est inutile. Et cela va de soi, mais on ne veut pas vous revoir ici. Hein. Alors si on devait revoir ici. Mais c'est notre vaisseau. Non mais je veux dire, on veut pas vous revoir dans nos pattes. Non mais moi, j'ai juste soigné mes camarades. Ça me va. Je reste ici. Hein. Enfin. Je bouge pas. On repassera de toute façon, je pense. Je bouge pas. On repassera de toute façon, je pense. Elle a peur. Non.
juste pour savoir. Histoire que Marlène. Je note quelque chose. Marlène. Germain, est-ce que tu demandes vraiment le nom de tous les ennemis Non, non, mais ce que je veux lui faire comprendre, c'est que si elle nous fait faux bond, je la retrouverai. Oh, Moi, je dis Marlène. Non, 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 non. Elle s'appelle Mizuwa. Mizuwa. C'est moins classe que Marlène. J'ai une note de joueur, tu sais, pour que je puisse noter. Si tu veux. Bon, je vais considérer que tu m'as donné son nom et son nom de famille. par ce Mizuwa. Je vais te l'écrire dans ta note. Mizu, c'est son prénom, et Ha, c'est son nom de famille. Voilà, note de Germain. Ouais. Yeah. Merci. De rien, arrête de me faire chier. J'essaie d'être RP. Oui, oui, oui. C'est tout à ton honneur.